Paradise Not If. Yop tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Captain34 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening. J'espère que ça va vous faire plaisir, le troisième pack opening de la chaîne sur FIFA 17 tout simplement. Donc comme les précédentes vidéos pack opening, la 2 et la 1, on va faire 6000 points, on va ouvrir 6000 points et ce sera en condensé avec les avec que les joueurs en rare, que les meilleurs joueurs que j'aurai eu, tout simplement. On commence par le premier pack qui lui sera montré quoi qu'il arrive. Et on va commencer par un pack avec un joueur hors rare, un BU français. Ouh, Gamero. J'aurais préféré Griezmann. Après Gamero, c'est quand même pas mal de crédit, je pense. 5-6 000, je pense, j'espère. Donc ça fait plaisir. Un petit Gamero et un Costil. On enchaîne directement avec une carte hors rare encore. Et ce sera Ituraspe. Ok. Ok, c'est quand même un bon milieu def. Après, sans plus. Et on obtient 1000 crédits en plus de ça. Donc ça fait plaisir. Ah, une carte rare. Oh, dommage. Au début, j'ai cru que c'était soit un joueur de l'Atletico. Mais en fait, non. Pas du tout, malheureusement. Allez, encore une carte rare. DD. Ce sera... De Marcos, très intéressant, comme chaque année, hein, comme ces deux dernières années. Très intéressant, en plus de ça on obtient 1000 crédits, donc ça fait plaisir. Allez, on enchaîne avec Buffon. Eh non, Sirigu, dommage. Là, Sirigu, ça doit quand même pas rapporter quand même 2-3000 crédits, je pense. Donc c'est pas dégueu, en plus j'ai déjà, donc voilà, ça fait quand même plaisir. Et on enchaîne encore une fois, oui. Oh, hut. Dommage. Encore une fois, un DC allemand, tu te dis, ouais, ça va être un bon joueur. Mais en fait, non, parce que t'as pas cette putain d'animation. D'ailleurs, je l'ai pas encore eu depuis ces trois premières vidéos. Donc, j'espère qu'elle va apparaître, hein, cette nouvelle animation. J'espère vraiment. Au moins une fois, quoi. Au moins une fois, ce serait sympa. Ça voudrait dire qu'on aurait un joueur qui vaut quand même 50 000 crédits, je pense. Parce que quand tu as l'animation, c'est que tu es un bon joueur, je pense. Enfin, que tu es un joueur de minimum 50 000 crédits au début du jeu. Une carte hors rare, DD, Cédric, non, Cancelo. Eh oui, c'est bien Cancelo. Et on aura quoi d'autre? Il n'y aura que dalle. Et on enchaîne encore une fois avec une carte hors rare, Nkoulou. Non, Chedjou. Voilà. Chedjou. Mon petit joueur, il a une sacrée carte, hein. Purée. Le petit Chedjou, il a vraiment une magnifique carte, hein. Ça c'est le cas de le dire. Purée, la carte qu'il a. Bon, on continue sur la lancée, c'est parfait ça. Milieu défensif, Fernandinho. Fernando. Bah, j'avais le choix entre les deux. C'est Fernando qui est venu. En plus, je l'ai déjà. J'aurais bien aimé Fernandinho parce que je l'avais pas. Allez, encore une carte hors rare, Berami, non, Chaka, pas mal ça. Chaka, c'est intéressant. Je pense que ça doit valoir les 10 000 crédits, je pense. Moi, j'espère. Et ça là, ah ouais, très bon pack. Très très bon pack. Alors, Chaka, il coûte, ouais, 5, entre 5 et 7 000 crédits, pas mal. Et notre ami, Salah, il coûte dans les 10 000, non? Même pas, dans les 3 000. Voilà, c'est peu cher, hein. C'est vraiment très peu cher, hein, pour un début de jeu, ça là. 3000 crédits, c'est très très peu cher. Allez, une carte hors rare. Oula, ah ouais, Hazard. C'est ça, hein. Voilà, le petit défenseur central qui est très rapide, très petit, de la Gantoise. Donc, ouais, ça fait plaisir. Donc, je voulais me faire un dimbel, j'ai un défenseur là de dimbel, donc c'est parfait. On continue avec du hors rare. Et on aura André Gomez, c'est ça, ou un truc de style. André, je sais plus. 81 général.
C'est une bonne carte, il a en tout cas une bonne carte. Oh là, on a beaucoup, beaucoup de doublons là. Beaucoup, beaucoup de doublons. Allez, ça me plairait bien une grosse carte là, s'il vous plaît. Terry? Ouais, Terry. Sans plus quoi. Ça doit pas valoir des masses, à mon avis. En plus, je l'ai déjà. Donc, on va les voir. Je me rappelle plus du tout de son prix. Ouais, voilà quoi. C'est pas terrible. 2000 crédits. Ouais. Allez, une carte rare, MD. Oui, William! Ah, ça vaut des crédits! Ça, je le sais! Enfin, à moins que ça a diminué. Ce que j'espère pas. Logiquement, ça vaut des crédits! Et voilà! Mais oui! Nickel, ça! Ah, ça fait plaisir, putain! Une cinquantaine, 50 000 crédits à peu près pour un petit William. Ça fait plaisir. En plus de ça, on obtient 1000 crédits. C'est nickel, ça. Yes! Alors, on continue sur la lancée de William, s'il vous plaît. Eh ben non. On chope NDI. Ouais, il a une bonne carte, hein, le petit. Hein. Il a une belle carte. Allez, une carte rare. MD. Bangoura. Non, Traoré. Ouais, voilà, Traoré. Ok. Ouais, belle carte il a. Après, faut voir s'il a 4 étoiles ou pas. Je me rappelle plus du tout. Il a 4 étoiles. Gaucher, ouais, il peut être intéressant. Il peut valoir quelques crédits aussi, je pense. On a également deux Jaegereux. Ça fait plaisir. Encore une carte rare. Et on aura. Lopez. Ah ouais, c'est vrai qu'il a signé là-bas, lui. Il a quitté la Séminan. Ça va, j'ai complètement zappé. Et Doumbia! Doumbia! C'est vrai qu'il a signé à balle, lui. Ok. Bon, ben, bon pack. Une carte rare encore. D'essai italien. Storari. Ou Rugani, je sais plus. Je sais plus comment on l'appelle, mais lui, je l'ai eu. J'ai déjà eu pas mal de fois. Non, c'était un autre alors. Je sais plus si c'est lui ou si c'est un autre que j'ai eu. C'est lui. C'est lui, je pense. J'en ai eu pas mal des joueurs d'essai italiens de la Juve. Ça me saoule ça. C'est vraiment énervant. Parce que t'as 4 ou 5 joueurs différents que tu peux avoir à ce poste-là. Dans la même équipe, en même nationalité. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Et là, encore une fois, italien. Et voilà, j'ai cru à Buffon. Mais non. Là, je peux pas avoir un joueur Buffon, quoi. Style. Pourtant, ce serait bien. À mon avis, il doit coûter quand même pas mal de crédit, Buffon. C'est dommage. Et on continue avec des cartes or. Et on aura Pastore. Parfait ça. Pastore, ça vaut 10 000 crédits peut-être. Peut-être, j'ai mal dit. Pas sûr du tout, hein. J'espère. 50 000 crédits. Oh. Eh ben non. Un peu moins de 10 000 crédits à mon avis. Mais c'est déjà ça. Et on enchaîne encore une fois avec une carte or. Et ce sera le petit Carvalho. Très belle carte également. Manque un peu de vitesse, mais très intéressant cette carte. Allez, une carte rare, s'il vous plaît, du lourd. De Marcos. Encore une fois, de Marcos, ça fait plaisir. Bon joueur. Après, faut voir en crédit qu'est-ce que ça vaut. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire ça tout de suite pour jeter un petit coup d'œil pour voir qu'est-ce que ça vaut en crédit. Faut la compter x2 vu que je l'ai déjà. Et bah ça vaut pas grand chose en fait, ça vaut dans les 2000 crédits à mon avis. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Ah, une carte rare, oui! Oh, Tchoté. Dommage, j'ai cru que c'était Yaya, mais en fait non. Ça aurait pu être Yaya sans l'animation parce que il faut savoir qu'il a que 84 de général. Mais dommage. En tout cas, Tchoté, il a une très belle carte. Hein. Oh oui, l'animation. Argentin, BU, Agüero, non, Dybala, mais oui, non, Higuain, mais oui, Higuain, mais c'est bon ça, oui, et j'étais partout l'émotion là, je dis Messi, Dybala, et après non, c'est Higuain, Agüero aussi je dis, yes, oui,
L'animation juste avant la fin. Extrait de jeu enregistré, mais enregistre-le-moi ton extrait de jeu. Ah, oh, Egwene. Parfait ça. Parfait, parfait, parfait. Le petit Egwene. Ah oui. Comment tu coûtes? Comment tu coûtes? Allez. Seulement? Seulement 75 000 crédits? Non, c'est une blague. Les prix, c'est ouf, hein. Seulement 75 000 crédits pour un Egwene. Alors que sa fourchette est à 200 000, quoi. En tout cas, voilà, je vais pas me plaindre, ça fait plaisir, on a eu Egwene. Ça fait super plaisir, les amis. Je peux pas me plaindre, donc... Nickel, on a eu notre animation, on a eu notre joueur à plus 86. C'est nickel, ça fait plaisir. Et il reste encore un pack, ce sera le dernier pack de cette vidéo. On termine bien la vidéo, en tout cas. On termine bien la vidéo, ça fait plaisir. Nickel, ça, le petit Egwene qu'on envoie dans le club. On va terminer avec le petit pack à 150. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça. Et on termine par un joueur. Benteke, Origi. Origi, c'est pas mal aussi, ça fait plaisir, honnêtement. On termine bien la vidéo. On termine très bien la vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas à exploser cette barre de like pour notre ami Egwene, tout simplement. Dites-moi qui vous avez obtenu dans les packs. Débattez les commentaires, mettez-moi tout ce que vous avez eu. Sans mentir, s'il vous plaît. Et donc, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pack opening ou autre que pack opening. Donc voilà, c'était Cap34. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Animation, animation. Allemand, neur, neur, rush, rush, rush. Mais oui. Où est-ce qu'on rush? Oh my god. Oui. Marco, 174 000. Encore? Oh putain non. Piqué? Piqué? C'est quoi ce délire? Oh là là putain. Oh, mais moi c'est Draxler.